You look lonely. I can fix that. Uda, Takar Shwadam, Takar Udam Chawawisa Starsha Maga, Haul Gwana, Dami, Udam Yautan Mash Udams Haucha. Warpeti gaujata ya unam yauda paja. Aïe aïe aïe, j'avais presque oublié qu'on avait l'antidote en effet pour pouvoir traverser les zones de poison, ça fait plaisir. Eh bien salut à toutes et à tous M Company, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, comme d'habitude. Pour ma part ça va nickel, on se retrouve pour ce nouvel épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. Bien évidemment j'en profite dès le début pour choper les ressources éventuelles dans les coffres, ça peut servir, voilà. Dans cet épisode comme convenu, donc là on est actuellement dans notre village, ce qu'on va faire, on a les différents foyers, ce qu'on va faire, donc on va aller dans le nord, faire la mission ici, hop là, juste là, bonsoir, c'est possible, voilà, Carouche le guerrier, rattrapez Carouche et aidez-le à vaincre son ennemi juré, je pense que ça va swinguer, on a même une main d'Aïcha sur le chemin, plutôt pas mal. Voilà, donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter au plus proche. Mais bon, va trouver un endroit proche ici. On va se mettre là. Bah ouais, mais il y a des mains d'Aïcha partout. On va commencer par celle-là. Allez, c'est parti. On se téléporte au niveau de la grotte. Et on va récupérer les mains d'Aïcha. Et on va aller voir Carouche, le farouche, bien sûr. En tout cas, bienvenue. Merci d'être ici. J'espère que vous kiffez. N'hésitez pas à déposer votre plus beau pouce bleu pour cet épisode 13, je crois. C'est l'épisode de la chance, me diriez-vous. L'épisode 13, c'est vrai ça. Mais est-ce vraiment l'épisode 13 finalement? Je ne sais plus. Alors, ça commence mal cette histoire. Ah mais c'est certainement dans la hutte. Mais attends, mais je peux même pas rentrer dans la hutte. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie là? Ok, laissez-moi. J'ai une théorie. J'ai une théorie. On essaye. Si c'est ça, je suis content. Si c'est pas ça, je suis pas content. Mais y'a moyen. Y'a moyen. Eh. Je suis en train de foutre un sacré carnage là. Je suis en train de foutre un sacré carnage. Et j'ai bien l'impression que... J'ai bien l'impression que c'était pas ça. Alors attendez, parce que là... Avant-poste de la grotte. Ah mais il y a peut-être une... C'est peut-être de, depuis la... Ah mince, est-ce que ce serait pas la grotte là? Mais non, la grotte a été explorée ici. Ah ah! Grand élan. Ah mais en plus ça tombe bien, je dois chasser du cerf. Ah oui non mais l'élan c'est pas un cerf, c'est vrai. Bon, on va quand même pas commencer cet épisode en catastrophe là. Il y a une grotte là. Foutez de ma gueule. Ah. Ah ah! J'avais tout faux, elle est en haut. Bien sûr, elle est en haut. Suis-je bête? Finalement, il fallait le savoir. Oh. Bah. Oh. Oh là, où c'est que je... Eh bah attendez, je viens de... Ok. Ah bah non. Non non, c'est bon, c'est la grotte. C'est... Non non. Mais qu'est-ce que c'est que cette fantaisie là? Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie là? Mais bon sion. Mais bon, mais c'est pas possible. Bon attendez, il faut que je monte. On est bien dans l'avant-poste où il y avait le trou en haut là, on est bien d'accord. Non. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie là? Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Bon en gros il faut que je puisse monter. Il faut que je puisse monter, il n'y a pas 36 façons de monter hein. Et je vais péter mon crâne dès le début de cet épisode les amis. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Maintenant j'ai compris que la pierre était en haut. C'est déjà pas mal hein, c'est déjà un bon début parce que ça j'avais pas compris avant. D'accord. Allez on va appeler mon dent de sabre, il m'aidera. Et là il faut qu'on trouve un moyen de monter. Simplement. Oh là, ça se bagarre. Voilà. On peut monter par là. Voilà, une petite tyrolienne quand même, s'il vous plaît. Eh, je demandais pas la lune non plus, hein.
Je demandais pas la lune, ça va, on perd pas non plus trop de temps en vrai. J'aurais pu faire pire. J'aurais pu vous proposer davantage de bêtises en ce début d'épisode. Et maintenant qu'on est en haut et qu'on a une vue absolument superbe, la pierre est là, c'est bon, je la vois. Allez. Eh ben c'est pas évident ce jeu, hein. C'est pas évident. Bah, c'est surtout en fait les accès hein, qui voilà. Généralement t'as plusieurs possibilités pour accéder à des endroits, mais là c'est un peu plus compliqué. Il y a des mammouths là-bas. J'en ai besoin des mammouths. Attendez, village juste pour être sûr. Peau de mammouth pour la hutte de Syla. Alors mon petit bichon, tu m'excuseras. Ah bah j'ai pu récupérer pas mal de bois, c'est pas mal. Ça c'est des éléphants ou c'est des mammouths? Non, c'est des mammouths ça hein. On est d'accord. Attaque! Quoi? Attends. Je l'ai dégommé si facilement? Qu'est-ce qu'il fait lui? Tu te calmes? Attends, je l'ai dégommé si facilement lui là? Bah alors là, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. J'aime bien. Hop. Voilà. Ah! Voilà! Bah il est mort, si si il est mort, c'est bon. Ah mais j'ai des collègues en fait qui sont là. Let's go. Allô. Voilà. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir, allez debout. Donc là on va pouvoir faire la hutte de Syla, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Il va se détendre. Allez. Hop. Je vais dompter la bête. Eh oh tu te calmes. Je vais dompter la bête et on va du coup se rendre là-haut, juste ici. C'est par ici bien sûr. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu, installez-vous confortablement, n'oubliez pas de prendre à boire et à manger. Bien sûr, ce n'est pas un jeu d'horreur, mais bon, si vous pouvez vous mettre dans le noir éventuellement, surtout s'il fait chaud. Si vous avez encore le soleil, c'est le bon moment de se mettre à l'abri. Hop, dans ta gueule. Et... allez, voilà, le petit coup de trompe, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, on fait les petits events sur le chemin, ça permet d'augmenter la populace. Bonjour petit mammouth. Là, je vais devoir t'abandonner, je pense, parce que là, je vois pas par où monter. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On va faire ça comme ça. Voilà, on fait un petit peu de parcours. Ça monte, ça grimpe. Plutôt pas mal. On va récupérer le bois sur le chemin quand même aussi parce que bon, mine de rien, voilà, ça va vite les flèches, maintenant je m'en rends compte. Ça va plutôt vite. Il faut que j'en profite pour récupérer certaines ressources également, mais je sais plus lesquelles. Mais bon, on les aura sur le chemin éventuellement. Là je pense qu'il y a une tyrolienne, enfin qu'il y a un grappin de possible. Il y a moyen. Le soleil se couche vraiment là? Là il y a un grappin là. Grotte des couteaux gelés. Hé hey. Il y a bien un truc de grappin là. Non? Sans déconner quoi. Je me fais arnaquer là. Je me fais arnaquer. Ça c'est quoi? Caillou noir du nord. Est-ce que j'en ai besoin de ça? Pardonnez-moi mais il faut que je regarde. Alors voilà, je vais pouvoir faire la hutte de Syla, on le sait. Peau d'ours des cavernes, on sait. Érable du sud. Ah oui, donc c'est pas dans le nord. Ah non, c'est bon, en fait, j'ai pas besoin de ressources spécifiques à ramasser. Ah, magnifique. Magnifique. Et voyez cette roche en haut là, à mon avis, la pierre, la main d'Aïcha est dessus, évidemment. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, j'ai capté. J'ai l'info. Là, c'est par ici, bien sûr. On se régale. Par contre, ça fait froid ici. Hein. Là, on se prend... un vent très très fort, œil pour œil. Oh mais il y a du people là. Attendez, moi je retrouvais Carouge dans la grotte de Mog. Attendez, moi je voulais récupérer la pierre. Mais arrête, putain. Mais tu vas rien faire du tout, toi. Mais frère. Mais les gars. Mais pourquoi vous me faites chier? Je suis même pas venu pour vous à la base. Mais. Tu vas mourir, oui. Oh non. Oh non. Hop. Oh bâtard. Allez. Allez, viens là. Hop. Voilà. Ouais, non, mais là, frère, c'est quoi cette histoire encore là?
J'ai abattu mon... Non mais je suis désolé mon gars, debout, voilà. C'est une dinguerie de faire ça. Yalla. Oh le masto. Oh bah je l'ai pas vu venir celle-là. Bombe à piquant. Hop. Voilà. Hop. Bon, comme dit le poison, on peut guérir du poison. Très important à savoir. Donc ça sert à rien de faire des dingueries. Attendez, je vais récupérer ma pierre moi. À la base je suis là pour la pierre hein. Elle est là. Let's go. Voilà. Et maintenant on va pouvoir s'occuper de Carouche le Farouche. Mange. Mange bébé. 26 sur 100, c'est bon ça. Bon, il sait pas où je suis l'autre là. Il est complètement con. Hop. Il est où, je ne sais pas. On s'en fout, on va rentrer dans la grotte de Mog. Alors, non, je voulais pas faire ça. C'est toujours un bonheur quand le jeu décide de faire autre chose. Voilà, un petit peu de parcours. Alors, là, il y a du poison. De toute façon, on s'en fout. Oh, ça crie. Oh non. Oh non, Carouche. Carouche, tu es fou. Brashtar. I'm Mog. Mog. I'm Brashtar. Bal yaudata Mog. Matam malsam. Mog supima washta. Swata. Ugwam Brashtar. Haikuspa. Misushnu Yaugam. Nai Karush. Winjati Mana. Aïe aïe aïe, on l'a laissé trop longtemps. On l'a laissé trop longtemps. C'est pour le RP que je dis ça évidemment, c'est scripté MDR. Mais ah mince, on aurait dû venir plus tôt. Il faut que je le défende. Attends, donnez les feuilles vertes. Mais j'ai des feuilles vertes, tiens. Tiens mon gars, voilà. Allez, maintenant on se barre frérot. Oula. Hop. 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 Dommage. Attaque. Voilà. Paf. Pardon. Hop. Tu vas rien faire du tout. Allez, on se bat. Hop. Ça dégage. Hop, le petit couteau bien placé. J'adore ce qui se passe. Hop, c'est si facile. Hop, dans ta gueule aussi. Carouche est juste en train de mourir. Carouche, prends des feuilles vertes là. Alors attends, parce que là j'ai plus de flèches, si. Meurs. Oh là là, le nul. Attends, caillou. Hop. Voilà. On va refaire des flèches. Voilà. Bon, et en vrai, je suis ultra Gucci. Hein. Je suis inarrêtable. Hein. Avec le stuff que j'ai, en vrai, je crois que c'est le premier Far Cry où stratégiquement j'ai eu le meilleur début en fait. Où j'ai vraiment bien fait les choses quoi. Attaque! Attaque! Caillou! Voilà, caillou! Je rappelle que les cailloux c'est infini donc en vrai. Voilà. Réchappez-vous, bah c'est bon. Impeccable. Tu vas aller où là, mon grand? Voilà. Shaja Makshanchi Nuta Takar Karush Gwaifadahata Mas Brashtar Shrash. Ha.
Fata. Magmarwa. I shall you misushnu sas. Machira. Why chasujinafmas? Rashta. J'adore. Ah, j'adore cet esprit. C'est un plaisir. Œil pour œil. Un régal. Deux frères. Deux fauves. C'est impeccable. Les points de compétence, on va les laisser de côté pour le moment parce qu'on est vraiment bien. On est donc situé ici. En vrai, de vrai... Redites-moi s'il vous plaît. À chaque fois j'oublie, j'ai une mémoire d'éléphant, c'est incroyable. Peau de blaireau, laisse tomber. Peau de cerf rare et peau d'ours des cavernes. C'est ça, ours des cavernes. Normalement, ours brun, là t'as ours des cavernes ici. Est-ce que ce serait pas du coup le moment idéal? Alors cette caverne, on pourra l'explorer vu que maintenant on a l'antidote. Ça peut être pas mal. Et là, il y a cette zone là-haut qui m'intéresse vachement. Et sachant que là, t'as aussi de l'ours des cavernes. En vrai, cette zone, et on est juste à côté, hein, en vrai. Allez, on va, point d'interrogation ici. Allez, c'est parti, on va repasser là-bas. C'est d'ailleurs justement, dans le dernier épisode, on était là-bas, justement, où on a du coup trouvé les fameuses feuilles. Enfin, c'était la mission pour trouver les feuilles et avoir les antidotes qui nous permettent de résister au poison. Donc en vrai, ça tombe bien de retourner là-bas. C'est un très bon move. Oh là là, la cata. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez besoin d'aide? À l'attaque! Paf! 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 Voilà! Vengeance! Bon, malheureusement, monsieur est mort. Hein. Voilà, petit ours brun. Allez, en plus, c'est cool parce que comme le soleil se couche, impeccable! On va être bien dans la merde. J'adore. Bon, après, il y a un feu de camp pas loin, je crois. Je crois qu'il y a un feu de camp pas loin. Mais là aussi, un point d'interrogation. Rocher au Snechao. Bon. J'imagine qu'il n'y a pas grand chose à voir, à part une mission visiblement secondaire, mais pas très importante. Allez, on continue par ici. Eh ben, ça tombe bien, on a en effet le feu de camp. Alors, on peut dormir au feu de camp, me semble-t-il. Attendez, parce que là, il y a un petit truc qui m'intéresse. Hop, voilà. Peau de bête, je peux même pas ramasser, sérieusement. Il est où le lit? Y a pas de lit là? Y a pas de lit. Ah si, là y a un lit. Allez, on se repose jusqu'à l'aube. Ça, ce qui est bien fait, c'est que malgré qu'il y ait des ours à côté, malgré qu'on soit dans le froid, on peut quand même sereinement dormir, tranquille, pas de problème. À moins qu'on se réveille, non même pas. Non, c'est bon, tout va bien. Ok, bah écoutez. Oh là 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 là, c'est beau. C'est pour ça que j'aime bien aussi les réveils. Parce que les levées de soleil sont vraiment magnifiques. Bon, les petits ours bruns, on s'en fiche. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est les ours des cavernes. Bien sûr. Oh, attends, tu étais trop rapide là, viens. Je te sens très excité. Hop là, saute. Vol. Lac du pied de la parcune. Ok. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est mignon comme tout ici. C'est génial. En vrai, c'est très compliqué à explorer ces zones. Voilà, donc nous on monte par ici. On va continuer par là. Oh là là. Allez, hop, on va tenter une petite glissade. Oh, ça passe, hein. Ça passe crème. C'était quoi ça? Argile, simplement. C'est quoi ça? Y a un bug ou quoi? C'est quoi ça? Pourquoi y a ça? C'est un bug ça je pense. Le marquage. Y'a des gens? Ah oui, y'a des gens. Mais reviens là frère! On s'en fout là, ils font leur vie. Ils sont assez grands non? Ah, petit ours brun. Merde. Allume le feu! Allumé! Il est où? Il est où? Il était là, l'ours des cavernes. J'ai pas rêvé. Il fait sa victime là. Il fait sa victime. Il est passé où? Bah il est pas passé par là à mon avis hein.
Eh ben j'ai trop le seum. Il était devant moi. Il a eu peur. Ah. Il doit être en bas. Ah ouais d'accord. Il est juste là. Salut mec. Tu fais quoi dans l'eau là? Oh je peux pas. Ok. Ok. Il est occupé, c'est pas mal. Oh le bâtard, mais attends, mais pourquoi il fuit? Pourquoi il fuit comme ça là? Non mais c'est un truc de ouf. Mais en fait l'ours des cavernes c'est une victime. Hop. Prends feu mec. Allez, c'est finito pour toi. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh le bug. Ça va mon gars? Bon bah... C'est une triste fin pour cet ours des cavernes. Allez messieurs dames, il me refaut juste encore une peau d'ours des cavernes. Et on sera bon, et puis on va en profiter pour explorer un petit peu par là. C'est toujours sympa. Justement ça tombe bien, on était juste au-dessus. Comme ça on peut un petit peu explorer cet endroit. En effet il n'y a pas grand chose hein. On s'en serait douté. Mais c'est toujours cool. C'est toujours cool. Ok, en plus il y a pas mal de copains par ici. On se sent pas seul. Donc ça fait plaisir. Alors. Petite feuille rouge aussi. Je pense qu'on n'est pas en manque de tout ça. Mais tout de même, le bois par contre, ça régale. On a un événement là-bas. Allez, go trouver un ours des cavernes. T'en fais du bruit hein. T'en fais du bruit. Qui c'est qui parle? Bonjour. C'est bon ça. Là. Il y en a un en face. Ça fait un petit peu loin quand même. Il y en a pas en bas là? Eh bien, salut à tous les amis. Je suis mort. Eh bien, voilà comment a terminé un copain. C'est d'accord. Bon bah mon gars, ça a dû être très douloureux. Allez, on va traverser. On va se choper l'ours qu'on a vu là-bas. De toute façon, la suite du chemin, c'est ici, donc ça tombe globalement bien. Hop, il me reste 11 flèches, attention tout de même. Tu l'entends? Il a l'air occupé. Ça tombe bien. Hop! Ça c'est Bibi qui régale. Ah il se barre hein. Ah oui. Ah oui il s'est mis bien. Alors attendez parce que tant qu'on y est, hein, faisons-nous un petit kiff. Ah c'est pas l'animal le plus dur à tuer en vrai hein. Finalement. En fait il est presque gentil hein. Ah. Je me suis peut-être un peu enflammé. Eh ben non c'est bon. Ah non il est presque gentil. Wesh tu m'as fait peur. Et voilà. Salut les biquettes. On va pouvoir messieurs dames, on va pouvoir faire les deux huttes au village. Donc ça tombe super bien. On pourra y retourner après. Et nous on va se balader par ici. Est-ce que c'est là la suite? Ouais c'est en haut. On va juste se balader par là. Récupérer éventuellement la main d'Aïcha qui est juste au-dessus hein, à mon avis. Et de toute façon on n'a pas le choix de monter. Il n'y a pas de grotte, il n'y a rien. Donc on va escalader par ici. Oh attends. Ça c'est une feuille verte. Rien d'incroyable. Allez. Montons. Je trouve qu'on résiste vachement bien au froid. Donc ça c'est plutôt cool. Hop on s'accroche au point suivant. Ça n'a jamais été aussi facile l'escalade évidemment qu'à la préhistoire. Hop. Impeccable. Eh ben t'es super rapide toi. Et là il faut qu'on aille ici. Attention à ne pas se casser la binette. Attends il y a un truc à... Vous entendez ce bruit?
Ramasser bracelet Wenja, let's go. On en a pas beaucoup trouvé, mais c'est vrai que quand on en trouve, c'est pas mal. Bah oui, on en a trouvé 3, voilà, bah c'est le cas de le dire. Hop, la main d'Aïcha, ça c'est fait. On se croirait sur Genshin Impact des fois, tu sais, quand tu récupères des trucs au bout des pierres comme ça, c'est excellent. Bah écoutez, on va remonter par ici. Hop. Bonjour. Donc, la suite se passe ici. Il y a une chasse de maître des bêtes dans les environs. Oui, non, mais là, on va pas... On va peut-être pas s'amuser à faire ça. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un point de TP là-haut, en vrai. Parce qu'à mon avis, il n'y en a qu'un seul. C'est vrai qu'à mon avis, il n'y a qu'un seul point de TP ici, là-haut. C'est ce fameux bûcher du bec de pierre. Donc, en vrai, on va essayer de se le faire. Comme ça, on a un point de TP là-haut. Et comme ça, on est tranquille. Et on pourra se TP à tout moment. Ça peut être cool, en vrai. À voir, parce que là, c'est vraiment dans le cas où ça se passe bien. Mais vu comment c'est parti, là, je ne sais pas comment ça peut se passer. Puisque là, on est dans une sorte de grotte. Alors, on va se réchauffer un petit peu. On va même enflammer. Hop. Tout ça. On va refaire ça, ça. Ouais, c'est pas mal. Bon. Qu'est pas ça, qu'est pas ça. Alors attention aux ours des cavernes là, qui risquent de nous faire chier parce que maintenant j'en ai plus besoin. Là, le feu de camp, on le débloque. Parler au chasseur Wenja, non, non, on va pas faire ça maintenant. C'est très sympa ici là. Alors c'est un cul-de-sac, hein. Il n'y a qu'un seul moyen d'y entrer et d'y sortir, hein. C'est par là qu'on est passé. Donc ça, ce qui est assez intéressant. Il y a du bois là pour les flèches. Je prends. Voilà. Alors là, on va avoir une petite vue. Une petite vue plutôt sympa. Ok. Et il y a encore moyen d'avoir de la hauteur à mon avis. Oh là. Oh là. Ok. Bon, on va descendre paisiblement. On va pas chercher la merde. Ah, c'est bien, je suis pas du tout bugué. C'est top ça. Ah, c'est top ça. J'aimerais bien ne pas mourir. Voilà. Hop. Voilà. Descente en rappel, comme on appelle dans le jargon. Ah, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le futur. Hein. Bûcher de bec de pierre. Je peux pas monter là? Je suis sûr que je peux monter là, non? Trop nul. Là? Allez, mais prends de la hauteur. Ah, il m'empêche de... Eh, reste là, toi. Va pas commencer à capouter ma mission, hein. Il faut que je trouve un moyen de monter, là. Là. C'est bon. Ah oui. Ah, je me suis un peu enflammé, j'avoue. Moi, je voulais monter un peu plus haut. Là. Ah, je peux pas. Excellent. Allez, c'est pas grave. Là, cette fois-ci, je vais me cacher parce que la dernière fois que j'ai foiré la mission, bah, c'était parce que j'étais mal caché. Hop, enfin j'ai pas foiré la mission mais je m'étais fait cramer quoi. Alors. Ah mais je suis con, c'est juste un bûcher, c'est même pas un avant-poste. Ah bah d'accord, oh regardez comme c'est stylé. Eh, ils ont fait des grandes choses quand même, hein, c'est foufou là. Hein. Bon. Alors ce qui va se passer c'est simple, hein. Vous voyez ce mastodonte? Je lui envoie une bombe à piquant. L'alerteur ici, je le pique. Et là, plus personne ne me fera chier. Voilà. Attaque. Voilà. Hop, on enflamme. Hop. Hop. Voilà, le masto il est fini. Il est où le bûcher? Hop, j'allume déjà le bûcher. Bam. Le bûcher est allumé. Hop. Ah, il m'a vu. Bon bah voilà. Rien de plus à faire, hein. J'ai envie de te dire, c'était pesé emballé. Hein. Et ça, c'était un bûcher difficile. Hein. C'était un bûcher difficile, hein, les amis. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point, en vrai, on n'est pas trop mal. Hein. Et je pense même que, ça se trouve, ce Far Cry Primal est quand même plus simple que tous les autres Far Cry. Et que du coup, c'est pour ça que Far Cry 5, que j'ai pas trop aimé et que j'ai abandonné, n'est-ce pas, était peut-être plus démesuré et moins facile, bizarrement. Ah, je me demande, tiens, ils ont voulu rééquilibrer le bordel. Y a moyen. Bon bah voilà. Comme ça on a un petit point de TP ici, c'est cool. Il y a un petit butin là. Hop, voilà. Pas mal.
Là, on voit un peu mieux la zone. Ouh, lieu inconnu. Quoi? Pourquoi il y a un TP là-haut? Feu de camp. Pourquoi il y a un TP là-haut, les gars? On n'est jamais allé là-haut. Pourquoi il y a un TP là-haut? Non, attendez, là, ça me fume. Pourquoi il y a un TP là-haut? On est là? Il y a du blaireau, par contre. Et c'est le dernier animal qu'il nous faudrait, presque, j'ai envie de te dire. Ok. Et vous savez quoi? Venez, attendez, on se promène. Attendez, on continue juste un peu de se promener, en vrai, avant de retourner au village. Si déjà on est là... Attends, pourquoi il y a un point de TP là-bas? Je comprends pas, là, ça me tabasse. C'est incroyable. Allez. On descend. Oh, c'est stylé. Oh. Impressionnant. Impressionnant. Merci bien. Merci bien. Non, alors je comprends pas pourquoi il y a un point de TP là-bas. Est-ce qu'on n'aurait pas commencé l'aventure là-haut en vrai? Genre avant toutes nos histoires? Oh, il y a moyen hein. Voilà, taisez-vous les gars. Pas le temps pour vos conneries. Dégage toi. Je te ferai pas de mal. Ok. Qui parle? Ah là bizarrement c'est un peu moins paisible hein. Putain mais c'est ouf, on est où là? J'adore, c'est très beau. Baladons-nous un peu. Contemplons un peu. Ouais mais c'est les bords de la terre plate ou quoi? Pour ceux qui ont la ref. Oh les gars, si jamais vous avez pas vu, bref. Faut que vous regardiez la vidéo sur la chaîne YouTube de Légende. Où Guillaume Play il interview un platiste. C'est très intéressant. Très effrayant. Très intéressant. Très amusant. Feuille jaune du nord. Ah bah ça on veut ça pour les trucs de poison là. Ouh le grand élan. Ça on veut ça pour les antipoisons. C'est parfait ça, on prend direct hein. On prend direct. Un petit blaireau sur le chemin ça peut être cool aussi hein. Qu'est-ce que c'est? Attendez, si j'envoie un caillou genre là-bas. On fait des tests hein. Ah. Ah ils s'en battent les couilles hein. Complètement. Ah. Hop. Je suis tellement nul. Allez viens là. Viens là, j'ai une surprise pour toi. Yalla. Eh bah j'ai même pas pu faire ce que je voulais faire. Putain. Il me casse tout mon plaisir lui. Il me casse tout mon plaisir le loulou. Terrible. Terrible. Bon je récupère un maximum de feuilles jaunes en vrai parce que ça... Autant vous dire que ça va être d'une importance totale. Waouh. Oh les geysers. Oh les geysers. C'est absolument magnifique. Si je vais dessus, tu crois que je meurs? Il y a moyen. Et il y a moyen que je meure si je vais dessus. Il y a moyen que je meure, on va éviter de faire des bêtises. Ok. Les animaux sont assez sympas par ici. Comme vous pouvez constater, c'est assez paisible. Oh! C'était pas ça que je voulais faire. Mais c'est pas grave, mange. Ok. Source chaude! Mais non, tu peux aller dedans? Ah non. Dommage. Et là on est où par rapport au point de TP? Ah bah on arrive au point de TP, bah attendez, lieu inconnu et il y a plein de mandaïcha là-haut. Venez on va monter hein, de toute façon. Hein. Je suis assez curieux de savoir ce que c'est. Hein, sans me TP directement mais juste en allant voir. Parce que... Chelou quand même. Est-ce que ça va nous dire quelque chose? Oui ça a l'air d'être... Il y a l'air d'avoir des collègues. Qu'est-ce qu'il y a? Gorge... De Yagi. D'accord. Attends, la main d'Aïcha. Bah juste là. Là ils se sont pas cassés la tête hein. Très bien. Et objectif à la fin du let's play, faut avoir toutes les mains d'Aïcha hein. Ce serait superbe. Ce serait superbe. Oh c'est magnifique hein. Wesh. Grotte d'ossement. Ok.
une grotte à découvrir. C'est quoi ça, ça se détruit ça? Dégage. Attends, parce que là je sais pas dans quoi je m'aventure là. Là je sais pas dans quoi je m'aventure. On va peut-être pas faire de la merde. Ok. J'ai la peinture rupestre ici. What the fuck? Il y a une main d'Aïcha aussi à découvrir, ouais. Elle est là-haut. Ok, il y a un ennemi. Tu sais pas pourquoi. Mais il est là. Ah non, elle est là. Bah voilà, elle est là la main d'Aïcha. Mais what? Mais c'est quoi cette grotte super paisible là? Bon bah voilà, grotte d'ossement, grotte terminée. On l'a exploré, c'est superbe. Ah! Arrêtez! Ah d'accord! What? What? Vous avez vu ça? Vous avez vu tout le monde là? Mais vous avez vu tout le monde, tiens? Reviens gros, on s'en fout. On s'en fout. Eh, on y retournera. On se vengera. Mais je comprends quand même pas ce qui se passe hein. Et là il y a le point de TP ici. Vas-y reviens là. Cache de récompense, bon ça c'est ok. Se reposer, mais à quel moment? À quel moment? On n'est jamais allé là. Alors si vous avez une réponse, je suis preneur. Parce que je trouve ça ouf, je ne comprends pas. Bon la grotte a été explorée, c'est cool. On va se faire le petit sauvetage là. Et puis on va retourner à notre village. Tout simplement en se téléportant bien sûr. Voyage rapide. Ah mais il y a du monde là. Il y a du monde. Oh, on est vraiment dans une zone. Ah ouais mais j'avais pas compris ça. J'avais pas vu ça comme ça. Ah oh, c'est excellent putain. Allez attaque. Hop. Facile. Ah bah si eux ils s'activent par contre Voilà. Voilà. Impeccable. Allez. On va aller libérer le frérot. Ah je kiffe ce qui se passe en tout cas. C'est impressionnant. Impressionnant. Allez les amis. Hop la petite feuille jaune du nord. Ce qui fait que regardez les remèdes. Feuille jaune du nord. Ouais ben 12. Je suis au max. Ah je pense que ça va dans les coffres. Dans les caches de récompense. Donc déjà compétences, on a 7 points de compétences messieurs dames. Complètement dingue. Marquage d'animaux. Maintenez pour ah, c'est pas mal mais ça demande pas mal de compétences hein. Sprint non-stop. Soin primitif. Ah attendez, 3 plus 6. Ah dommage. Parce que là ce serait pas mal ça. Ça ce serait pas mal. Apprivoiser des prédateurs rusés. On peut apprivoiser les ours des cavernes. Mais les ours des cavernes c'est pas si fou que ça en vrai hein. Je m'en rends compte hein. Bon. On va prendre ça. Et marquage des animaux. De toute façon faut bien qu'on se lance dans quelque chose. Village, on va pouvoir faire et la hutte de Syla et la hutte de Woga. Et ça, ça peut changer déjà pas mal de choses. Voyez-vous. Eh oui. Donc on y va. On va se faire ça, on va se régaler. Tout le monde va être content, tout le monde va kiffer. Il ne restera même plus qu'une hutte je crois à faire. Et ça c'est dingue. Ça c'est la grotte de Taka. Ah oui il faut la peau de blaireau encore. C'est ça. Allez on va commencer par notre sœur. Évidemment Syla. On améliore. Moi j'adore, ça fait vraiment. C'est quand même assez émotif hein. Objet rare placé dans votre cache de récompense chaque jour. Mec, on pouvait pas mieux tomber comme récompense. Alors ça, d'où l'importance de faire les. Ah ouais ouais clairement. Lui il manquait rap du sud et peau de cerf. Donc l'autre à améliorer c'est ici. Hop. Hop. Et hop. La hutte de Woga. Pas de Woogie Woogie Boogie. Waouh.
Il est content. Il est content, lui, hein. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Sac à bombe. Allez. Là, le sac à bombe. Comment tu parles de moi là? Eh, il parle de moi le salaud, j'ai envie de le... Eh oh. D'ailleurs, on a nouveau des points de compétences, hein. 4 points de compétences, hein. On va attendre d'en avoir 6 pour avoir pour avoir 6 barres de santé en fait, hein. Ça va être juste dingue. Et du coup, maintenant confection, on peut faire des bombes, ceinture de bombes. Ah, maintenant il me faut de la peau de cerf et encore de la peau d'ours des cavernes. Putain, ça s'en finira jamais quoi. Ça s'en finira jamais. Ben, bah c'est très bien. Alors là, on a Woga le fabricant. Reprenez, Oudam, les morceaux du vieux totem. Ah oui, j'avoue, il y a ça à faire. J'avoue, il y a ça à faire. Allez, on y va direct. C'est, je pense, assez rapide. Je pense qu'il suffira juste, voilà, de péter la gueule à tout le monde. De récupérer son bout de bois, là, comme ça, il est content. Déjà qu'on vient de lui faire sa hutte. Et puis, c'est plutôt, plutôt cool. Comme ça, il aura son totem. Il se sentira... surpuissant, me respectera même peut-être davantage. Et attendez, regardez, là on va avoir des nouveaux items dans le coffre. Et comme maintenant on a des objets rares chaque jour, eh bien regardez messieurs dames, ça va aller très vite. Hop, objet rare, nous avons peau de dôle noir. Voilà, alors pour le coup on s'en fout, mais c'est cool. C'est cool. Si on pouvait avoir les autres peaux, ce serait pas mal. Alors je récupère aussi là les loot, encore une fois, qu'on a là. Même le bois surtout. Tac, voilà, pour faire un maximum de flèches. Flèches d'ailleurs que je vais faire de ce pas. Voilà. Je vais récupérer de nouveau du bois. Ça, c'est la technique du flemmard, hein, bien sûr, hein. Pourquoi ramasser du bois quand ils le font pour moi? Voilà. On est bien d'accord. C'est par ici. Allez, c'est par ici. C'est à 200 pas. C'est plutôt cool. On a un événement par là. Et pourquoi pas. Salut les frérots. Qu'est-ce qui se passe ici là? Il se passe rien là. Il se passe rien. Bon, ça crie, mais c'est pas... Voilà. Ça vaut pas la mission qu'on va faire. Tu vois? Ok, faut que je trouve son bout de bois dans cette zone à mon avis. C'est ça? Le totem perdu. Excusez-moi, je parle de bout de bois, mais c'est un totem quand même. Marquer les pilleurs de totem pour les identifier. Ah, il y a des pilleurs de totem. D'accord. Eh, tu seras gentil, tu restes ici. Allez, c'est parti. On n'en parle pas assez de ce hibou, mais il est très 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 important. Hein. Ok, donc là on a les deux pilleurs. Alors comment tu sais que c'est des pilleurs? Je ne sais pas. Mais il le sait. Ah bah parce qu'il tient dans sa main. Ok, d'accord. Il a l'air très content. Et du coup il faut que je les tue, hein, tout simplement. Bah ça va pas être très compliqué, hein. Ça va pas être très compliqué. Morceau de totem. Ah non, il y en a 3. Ah le bâtard. Bon bah on va commencer par lui. On continuera par lui. Voilà. Personne n'a rien vu venir. Hop. Oh le con, ouais. Il est venu à moi lui. Il est venu à moi. Paf dans ta gueule. Ça c'est fait. Paf. Dommage. Paf. Et tu tombes. Attaque. Bon bah voilà. C'était assez assez simple. Ah, y a encore quelqu'un? Non, c'est bon. Ah si, y a encore du monde. Où ça? Où ça? Je ne sais pas. Allez, et de 1. Hop. Et de 2. S'il te plaît. Et bah alors. C'est bon. Voilà. Il va se calmer lui. Et le troisième. Juste ici. Et voilà, oreille de totem. Bon bah voilà, c'était assez simple, hein. Bon, je m'y attendais en vrai. Je m'y attendais. Ils vont se détendre les loulous là. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu fais quoi toi? Tu te crois malin avec ton poison là?
Bon bah voilà. Ça s'est fait. Bah, excusez-moi, là je suis perdu un petit peu. Ah, il y a toute cette zone à explorer. En fait, il y a deux zones reculées pour l'instant. Et ça, c'est certainement une zone reculée. Celle-là aussi, je les appelle comme ça. Hein. C'est les zones cul-de-sac en fait. T'as celle-là qu'il faudra explorer. Tu sais, il y a qu'un seul accès, c'est ici. Et c'est pareil pour là-haut où on est allé un petit peu. Il y a qu'un seul accès, c'est ici. Visiblement en tout cas. Hein. Et là, je pense que bah, là aussi, il y a une zone cul-de-sac là. Hein. Là aussi, il y a une zone cul-de-sac, mais pour ça, il va falloir passer au fort du Grand Darois et les terres Oudam. Oh là 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 là, mais non, mais là, on va se faire atomiser la figure. C'est peut-être même plus light ici, hein. Je sais pas. On est là, est-ce qu'on irait pas voir Urki le Penseur? Parce qu'il y a une grotte là. Oh, il y a une grotte, j'avoue. Allez. C'est Bibi qui régale. On va explorer la grotte. D'accord. Et on va aller voir Urki le Penseur. Alors je sais pas qu'est-ce qui va nous sortir encore comme idée de fou. Hein, j'ose imaginer que ce sera incroyable. Hein, il nous a fait rêver en s'envoyant en l'air. Il nous a fait rêver avec son gilet pare-balles. Ça va être quoi la suite? Sincèrement, ça va être quoi la suite? Là je peux pas passer moi avec mon... C'est vrai que je peux pas passer ici avec cet animal, hein, il m'énerve. Ah mais si là. Ah voilà, un petit effort. Voilà le travail. Ah, je suis assez curieux de voir ce qu'il va nous faire faire. Mais bon, déjà on va s'occuper de cette fameuse petite grotte. Je n'oublie pas la grotte tout en haut au nord. Vous inquiétez pas. On fera ça en temps et en heure. Alors attendez, parce qu'on a Urki qui est sur le chemin, mais je veux surtout pas déclencher quoi que ce soit là. J'aimerais d'abord faire la grotte. Mais, non mais ça va là. Tu vas te détendre. Oh là, oh là. Alors là tu commences pas à me choper par le callback. Je préfère te le dire. Ah ouais, en plus il se barre comme un lâche. Non mais c'est pas possible ça. Reviens. Voilà, mange. Par contre il faut qu'il mange à chaque fois pour que je puisse le monter, c'est chiant ça. C'est terrible. Non mais il va revenir. Mais c'est qu'il revient en plus. Bon allez. Allez, tu meurs. Allez, toi tu vas mourir dans notre souffrance. Je te le dis hein. On va pas te lâcher hein. On va pas te lâcher. Qu'est-ce qui se passe ici encore? Voilà. Et voilà. Allez, hop. Attends, je te libère. Voilà. Allez. Il se passe trop de choses, c'est incroyable, il est toujours en train de chasser l'autre en plus, c'est phénoménal. Il a réussi, on va le dépecer tant qu'on y est. Bien joué à toi. Dent de sabre, salopard, va. Nouveau point de compétence, ça va très très vite. Ah bah attendez, est-ce que c'est pas maintenant qu'on peut... Pas encore, il en faut encore un, mince, dommage. Il est passé où mon dent? Il est là-bas, ok. Allez, on monte. Qu'est-ce qui se passe ici? On peut pas être tranquille 2 minutes. Vraiment. On peut pas être tranquille 2 minutes. Yalla. J'adore. Oh, ça c'était un plaisir ça. Ça c'était un plaisir ça. Ok, faut monter ici. C'est très compliqué d'accès là, n'empêche. Très... Hop. Toi tu te tais déjà. T'es exactement la même que ta sœur, c'est incroyable. Salut. Ok, là on va pouvoir grimper. Là on va pouvoir grimper. Dans quoi je m'aventure? Je ne sais pas. Ça, ce que j'aime beaucoup sur ce jeu, c'est que t'explores pas mal. Et je sais pas ce qui s'est passé. T'explores pas mal, t'as l'impression de connaître une zone et tu te rends compte que il y a encore pas mal de choses à voir dans une zone. Très stylé. Parce que bah n'empêche, on est passé par là beaucoup de fois en bas, mais je savais pas qu'on pouvait grimper ici. Donc ouais, assez stylé. Ouais, j'en ai où là? Mais c'est incroyable. Mais je veux te monter. Oh, c'est pas possible. Drôle de phrase quand même. Voilà. À la one again. On a une ruche d'abeilles là d'ailleurs. Ok, ça y est, on arrive sur la zone. Grotte de Walkwa affamé. Évidemment, fallait que je me drop pile sur le serpent.
Le serpent immortel hein. Ouais allez d'accord. C'est un bonheur. Hop. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? S'il y a du poison, je m'en fous, j'ai pas peur. Allez, je prends tous les chemins à droite. Oh, Violette du Sud. Il y a du poison là-haut, tiens. C'est par ici, il y a que dalle. Ok. On va nager. Cul-de-sac. Un bonheur. Un bonheur. Par contre, j'ai une théorie. Sous l'eau là. Yes. Oh des poissons. Alors. Non là y a rien, je vais me noyer tout simplement. Alors surtout prends ton temps hein, t'as raison. On est des vrais poissons. Ok. Je ne sais pas où je suis, j'adore. Je ne sais pas où je suis, j'adore. Ok. Eh bien écoutez, j'ai la peinture rupestre juste ici. Et si vous voulez mon avis... Si vous voulez mon avis... Non, cul-de-sac. Ah ah. S'il te plaît. La pierre est au-dessus. Donc il faut que je puisse monter. Et là, je peux peut-être monter. Pas du tout. Il y a un grappin qui doit traîner à quelque part, c'est pas possible. Hop. Ah. D'accord, bah il faut que je remonte hein. Ah, le coquin, j'ai vu. J'ai vu l'accès. Paf. Impeccable, c'est pas du tout ici. C'est génial, j'adore me faire... Ah, je me suis fait bait. Je me suis fait bait. Attendez, je ressors par où là? Ah bah je ressors par l'eau. Je ressors par l'eau bien sûr, c'est par là que je suis venu. Ok, donc c'était vraiment un petit une partie de grotte mais inaccessible autrement que par la nage. Très stylé. J'ai adoré ce moment. Salut. Je peux sortir là ou... Ce qui fait un peu frisquet quoi. Et là il faut qu'on monte. Ah, on est de retour au début là. Oh, voyez-vous. Voyez-vous cet accès? Voyez-vous que ça monte? Oh oui, bien sûr. Oh oui, bien sûr. Une corde, enfin une liane. Un grappin. Bien sûr. Oh, il y a un truc là-bas. D'abord, je vais là. Ok. Ok. Je pense que tous les chemins mènent à Rome et je pense que c'est ici qu'il faut aller. Puisque la pierre a l'air d'être derrière. Et si je vais là, je vais où là? Ah, c'est là que je suis monté? Je crois que c'est là que je suis monté hein. Oh, je suis perdu, c'est incroyable. J'adore ce jeu. Merci à tous. Wesh. Fais pas ça. Allume. Bon là normalement la pierre est là. Yes. C'est parfait. La main d'Aïcha. Ça c'est fait. Nous sommes à 30% je crois, non? Prends ton temps hein, pour donner ma réponse. Ça va où là? Ah non, c'est là qu'on est monté. C'est là qu'on est monté. On est à 30% exactement. Et là? Mais non, mais descends, mais s'il te plaît. Oh là 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 là, tu sais pas pourquoi il fait ça. Je veux aller là, là. Je veux aller là. Ça sent la couille. Ça sent vraiment la couille. Je vois même pas comment tu peux prendre l'élan, mais bon. Ah, j'y arriverai pas, je vais mourir. J'y arriverai pas, je vais mourir à moins que je fasse... Non, non, je vais mourir. Ça sert à rien. Par contre, du coup, il y avait un autre grappin là-bas. Wesh. Non mais là, il y a combien d'accès là? Incroyable. Incroyable. Cul-de-sac. Ok. Et donc là, tu disais qu'il y avait un grappin. Là. Non mais je suis perdu. Si là, il y a un grappin. What?
vas-y, monte. Oh. C'est incroyable. On est absolument perdu. Ça, c'est du labyrinthe de qualité. Yes, et eh ben je vais devenir. C'est là qu'on a trouvé la. Mais non, mais attendez. Ok, bon, je tourne en rond. Certainement. Mais voilà, j'ai retrouvé le grappin initial. Ça me fait plaisir. Je redescends. Je sors de cette grotte. Parce qu'on l'a exploré, tout simplement. Voilà, on a fini l'exploration. Pas déconner non plus. Tu me confirmes, hein. Explorer, voilà. On va aller chez Urkill Penseur. On va sortir. Je vois du feu, donc c'est que la sortie est ici. Et ça, ça me fait plaisir, les amis. Je vais pas vous mentir. Allô ? Impeccable. Voilà, c'est magnifique. Oh lolo, les mammouths. Bon, j'ai pas besoin de peau de mammouth. Oh, attendez. Mais si, confection. Ceinture à bombe. Ah non, peau de cerf et peau d'ours des cavernes. Rien à voir, très bien. Allez, direction Urki. On va se régaler. Alors, comment descendre? Bah, je vais vous faire un tour de magie. Ah bah là, le grappin est là, c'est bon. Allô? Vraiment là? Voilà. Allez, salut! GIGN! Tac. Bah, descends, hein. Ah bah, des fois, il veut pas descendre. Voilà, là, je suis à bout de corde, là. Là, je suis à bout de corde. Adieu! Adieu! Bon, là, il y a un truc peinture rupestre, rien à foutre, là. Et puis voilà, bon, vous l'aurez compris, là, ces fameuses peintures sur les murs, c'est pour trouver des spots, donc des points d'interrogation, de toute façon, qu'on trouve dans tous les cas. Et il y a des butins. Voilà, c'est ça, finalement, qu'on avait loupé. Alors, j'ai toujours quand même pas compris, mais... Ici, là, je crois. Je sais plus c'était vers où, là. C'était là, ici, là, voilà. Cache du chasseur. Voilà, c'est pas non plus incroyable. Allez, régale-moi! Longta! Longta! Oh, Nahars! Woo! Woo! Hars Urki! Whack Hars! Whack what Dadri! Whack what Dadri! Oh, Hars Urki, fat ass cash yarsh! Urki nawa fadas dausa! Urki nawa fat ass! Trash! Trash! Oh, pass the mask and now a fat ass! Now a fat ass how harsh Chautauqua! Woo! Oh, who fat ass wider? Harsh for Sacrabara Boudicola. Sacrabara Boudicola. Woo! Gwaish harsh bottom. Trash! Tawada! Tawada! Trash! Alors, je sens venir la couille où ça va être la fin de Urki. Il va se faire bouffer par un ours. Voilà, spoiler alert, je sens que ça va être ça, c'est sûr. Réunissez les ingrédients malodorants pour Urki. Allez, on remonte. Vraiment là, on va vraiment remonter là où j'étais. Ou on va plus loin? On va vraiment remonter là où j'étais. Mais sauf que là, on va suivre le chemin, on va passer par là pour changer déjà, pour explorer des nouveaux lieux. D'ailleurs, vous savez, pour l'interrogation que je viens de me marquer, ça se trouve c'est ça. C'est là que veut nous emmener le truc de la peinture que je vais pas faire ici là. Possible, hein. Ah, c'est stylé. Salut toi. T'as peur, hein. Ah bah oui, on pouvait passer par là tranquille. Sympa ici là. Petite cascade d'eau, tout. Propre, carré. On va monter par ici. C'est vrai qu'il va vachement vite, hein. Je me suis tellement habitué au fait qu'il aille vite que je trouve qu'on est lent. Alors que bon, sincèrement... Sincèrement, on est très 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 rapide, hein. Par contre, j'aurais bien aimé voir d'abord le point d'interrogation. Hé, hey, il a l'oreille qui saigne, mon dent de tigre là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Seuil de pierre. Superbe! C'est génial. Je suis très content d'être venu. Hop, on va remonter par là. Réunissez
Des ingrédients malodorants, qu'entends-tu par ça, toi? Qu'est-ce que tu entends par ça? Ok. Bouse de rhino, rayon de miel, ours brun apprivoisé. Il faut que j'apprivoise un ours brun? Non. Mais non, je peux pas. Ah c'est bon, je peux apprivoiser un ours brun quand même. Même sans la compétence, c'est parfait. Très bien. Alors, bouse de rhino. Là, il y a de la bouse déjà pour commencer. Ça te vexe? Attends, est-ce que je peux le... Ok. Ok. Bah il est mort. Bah ils sont morts tous les deux, les débiles. Allez, objectif caca. Un deuxième caca ici. C'est bon ça. C'est l'épisode du caca, j'adore. Ça je prends aussi. Pourquoi la zone de recherche va jusque là? Y'a que dalle. Ah non. Ah. Ok. Bon, je vois des abeilles qui volent. Faut que je trouve du miel aussi quoi. Eh, tu commences pas à me choper par le callback. Attaque! Ça fait mal hein! Ah! Voilà! J'aime ce qui se passe. Et heureusement, c'est une brave bête hein, mon dent de sabre de tigre. Hop! Bon, du caca. C'est pas du caca ça? C'est de la pierre. Ça c'est de la pierre. Bon, les rabeux du sud c'est sympa. Il me faut du caca. Bah après pour trouver du caca il faut aller vers les animaux hein. Suis-je bête hein? Tu vas me foutre la paix? Ah oui! Non mais attends. Là! Caca! Parfait! Ah mais attendez, je viens de comprendre, il y a plusieurs zones de recherche, non? C'est ça? Regarde, objectif en cours. A mon avis, il y a plusieurs zones de recherche. Eh ben écoutez, je vais monter. Mise à mort. Attends, il l'a tué. Il est trop fort. Il est trop fort, mon animal. Hop, on va se le faire. Il me faudra encore 4 boosts de rhino là. 2 pardon. Putain, je... Bon, on va monter là-haut, on va voir. Par contre, le soleil se couche et j'aime pas ça. Ah ouais, il y a une autre zone de recherche là-haut. Parfait. On peut pas me le dire plus tôt. Rayon de miel. En plus, il y avait du miel, je m'en souviens avant, mais il y en a plus. Enfin, il y avait des ruches. À moins que c'est là. Bon, faut que j'apprivoise un ours brun. Là, il y a un... Ah bah il y a du miel en plus. Alors attends, pas que je me trompe. Viens par là, Coco. Petit ours brun. Voilà, bébé. Voilà, mon bébé. Ours brun apprivoisé. Mais je me demande si on en avait déjà pas apprivoisé un avant, non? Oh, attends, regarde. Au combat, attire les attaques des ennemis, découvre des ressources proches et vous les donne quand vous êtes inactif. C'est incroyable. En fait, chaque bête a son pouvoir. Hein. Et ça, c'est pas mal. Hein. C'est indéniable. Comment ça marche, ça? Ramasser rayon de miel. Voilà. Et de 1. Bah du coup, y'a plus rien à faire ici, quoi. Il me faut 2 rayons de miel encore. Et 2 boosts de rhino. Mais attends, mais c'est la merde, là. Attends, faut continuer de se balader par là. Hein. C'est la merde. C'est le cas de le dire. Attends, où c'est que tu veux que je trouve de la bouse là? Ah là, il y a une ruche.
Là, il y a une ruche, on y va doucement. Voilà. Là-haut, là. Ah, mais je l'ai cassé, là. Ah, merde. Oh non, je suis trop con. Mais non, j'aurais pas dû faire ça. Oh, dis-moi qu'il y en a une autre. Oh, par contre, attends, c'est trop stylé. Là, je pars dans tous les sens, les amis. Là, je pars dans tous les sens. Non, je viens de détruire une chance, non? J'aurais dû grimper, en fait. Et je l'ai détruit. Attendez, je tente quand même de monter, sait-on jamais. Parce que si c'est notre seul espoir, on a un petit peu l'air bête. Hop. Oh, j'ai trop le seum. Franchement. Pardon. Bah, tu fais quoi? Il est fou, lui. Il sort d'où, lui? Qu'est-ce qu'il foutait là? Il s'est perdu ou quoi? Toi, j'aurais dû aller là. Ah, putain. Est-ce que j'ai foiré la mission? Peut-être. Monsieur. C'est bon. C'est bon, les gars, on est sauvés. On est sauvés. Tout n'est pas perdu pour les débiles comme moi. Hop. Ça, c'est fait. Bon. Maintenant, il me faut encore deux boosts de rhino. Et a priori, bah, j'avais pas tout vu. Et le problème, c'est que comme le soleil se couche... Hein, qu'est-ce qu'il veut, lui? Tais-toi, toi. Attaque! Je te laisse te débrouiller. Hein. Ça me fait d'XP. Ouais, deux boosts de rhino, là. Pourrait être pas mal. Bon, bah ça va, il y a des rhinos maintenant, là. Il y a des rhinos. Oh, ça a pris feu ici ou quoi? Ah non, c'est juste de l'ombre. On dirait que ça a pris feu. Salut mec. Fais pas le ouf, je vais chercher ton caca. Il me faut juste ton caca. Oh, il l'a dégommé. Attends. Faut pas qu'il meure. Oh non, j'ai perdu l'ours brun apprivoisé. Je vais canner. Ah non. Où je le rappelle? Attends, si je le rappelle, c'est bon ou pas? Ah, c'est bon. Parfait. Parfait, parfait, ok. Allez. L'avant-dernier caca. Il me faudra un dernier caca. C'est pas évident. Hein. Là, c'est pour faire du feu. Là-bas, il y a du caca, c'est bon. Et c'est pas évident, hein, les amis. Hein. C'est vraiment un épisode... de caca quoi. Excellent. Voilà. Ça c'est fait, messieurs dames. Maintenant, on va parler à Urki. Qui est là d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, le gaillard là? Checkpoint. Il va se faire bouffer par un ours. Je suis mort. C'est sûr. C'est sûr et certain, mon gars. Ah ouais. New Urki, ha. Now a fat ass da. Woo. Donc il est prêt à voler. Et il a son gilet pare-balles. Oh là là. Urki Chimcha. Attaque. Who are Urki Wakadaha? Who are Senta? Urki ye now a fat ass. Il est trop con. Voilà, voilà. Bah j'ai trop le seum. Touché. J'ai trop le seum. Mais je m'y attendais. Ah, il est pas mort. Il est pas mort, c'est bon, il est pas mort, il respire. Ah, je pensais qu'il serait mort pour de bon là. Oh là là, quelle histoire. Regardez notre belle galaxie là, ce qui se forme sous nos yeux, c'est magnifique. Absolument magnifique. Pas de pollution nocturne. Enfin, pas de pollution lumineuse. Dégage. Ah, c'est top. Eh bien les amis, une très 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 bonne chose de faite. On va pouvoir confectionner d'ailleurs, attention. Pop, 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 pop.
Ah bah c'est pour faire plus de dégâts avec notre gourdin. Bon, bah très bien. Compétences, on a 6 points de compétences. Hop, on se met 6 points de vie. Là, on est au maximum. Et au village, est-ce qu'on a des choses à faire? C'est ici le village. Je suis perdu, la map est tellement grande. Parler à Woga. Et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. On va parler à Woga, messieurs, dames, dans le prochain épisode. J'espère que vous avez kiffé. On s'est vraiment régalé. Moi, j'ai adoré. Et puis on se retrouve très vite pour la suite, tout simplement, de cette incroyable aventure. Et surtout, regardez-moi notre galaxie. C'est magnifique, on voit la ceinture. C'est un vrai bonheur. La Voie Lactée, Milky Way. Allez, la bise. Ciao tout le monde. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cache, nouvelle vidéo en ligne à 16h.